Il me semble que quand on voit aujourd'hui ce qui se déroule sur le paysage politique sénégalais, il y a, euh, un, il y a un déphasage entre les aspirations des populations et, euh, disons, euh, le déroulement des politiques publiques. C'est parce que tout simplement, ici euh, au Sénégal et dans beaucoup de pays en Afrique, on n'a pas compris même, on semble ne pas comprendre l'essence même de la politique. Parce qu'à mon sens, la politique consiste avant tout à l'éducation des masses. À prendre conscience de, disons, de, de, leur, de leur, leur, leur présent, mais également des défis qui les interpellent à, à l'avenir. Et tout repose d'abord sur euh, euh, les principes de gouvernance. Hein? Quand on parle aujourd'hui, on voit aujourd'hui dans nos politiques sénégalais, lorsqu'il y a élection, très souvent, ce qui se passe, le plus souvent, ce qui se passe, c'est qu'on qu vote pour des individus. C'est-à-dire que le projet pour lequel on vote, on n'a pas une claire conscience du projet qu'on veut en réalité euh, soutenir. Donc, ce qui fait que vous verrez même qu'à la tête des partis politiques sont des individus qui sont mis en avant, mais on ne parlera pas de valeurs, de, valeur, de principes de gouvernance, on ne parlera pas d'orientation politique, d'orientation économique, d'orientation sociale, on ne parle pas de vision, encore moins d'idéologie. Or, on sait bien que pour pouvoir, euh, disons, développer un pays, il faudrait que les citoyens de ce pays-là aient un partage des valeurs sur tous les plans. Et aujourd'hui, on peut dire que depuis les, la, la décennie 80, avec la libéralisation euh, qui a été consécutive aux nouvelles politiques euh, néolibérales qui ont été euh, édictées par la Banque mondiale et le FMI, sous l'égide, euh, disons, de la Grande-Bretagne, de Margaret Thatcher et de, des USA, de Ronald Reagan, mais ça a un tout petit peu euh, désorganisé la vie politique de beaucoup de pays euh, africains, dont le, le Sénégal. Parce qu'on est, est entré dans une phase de libéralisme. Qui a tout chamboulé et qui a créé un grand fossé entre les élites et les populations. Et les priorités ont été autre chose, c'est-à-dire qu'on a voulu juste endiguer euh, la pauvreté et ce qui était difficile. Donc, on a laissé de côté l'éducation des, des masses qui avait été impulsée euh, sous le régime de, de saint Et jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on sait ça c'est que, euh, au lieu d'avoir un système qui est pensé par des hommes, et qui est en fait euh, mise en œuvre à travers des, inst des institutions solides. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'on en est à une patrimonialisation des institutions. C'est une personne qui est mise en avant et qui pense avoir, euh, disons, euh, le droit de décider de, 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 du destin de tout un peuple. Et là, ça crée des tensions, des frustrations, parce que le peuple semble ne pas comprendre. Mais c'est parce que quelque part, le peuple lui-même a cette responsabilité, parce qu'on ne s'interroge pas sur la trajectoire. Des différents leaders euh, qui, 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 qui compétissent pour euh, la magistrature euh, suprême. Donc, voilà en gros, le, moi je pense que le premier défi, c'est en fait celui-là qui consiste à amener les populations à prendre conscience de, disons, de, 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 de leur destinée, mais en s'appuyant sur des valeurs et des principes de gouvernance qui seront partagés par tous. Parce que tant qu'on n'a pas des valeurs n -ce pas, et des principes de gouvernance, qui permettent d'avoir une claire vision par rapport à l'orientation sociale, économique et politique que le régime à venir va mettre en place. Mais là, ce sera encore un, un éternel recommencement. On va élire encore un homme à qui on va donner les pleins pouvoirs, qui, sera, qui aura un pouvoir surdimensionné et euh, qui va finalement patrimonialiser les institutions. Donc, je pense que la première priorité, c'est de réformer les institutions, de mettre en place, euh, euh, disons, des, des, des lois qui feront qu'en réalité, aucune personne euh, ne, ne s'adjugera ce pouvoir. De prendre en otage l'avenir de toute, toute la République. Ça, c'est la première priorité. Mais je pense que notre priorité, c'est quoi C'est que nous avons une économie qui est extravertie. Parce que chaque année, il y a les services de douane qui vont en, en réalité se vanter de faire des, 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 des recettes, n'est-ce pas Des milliards. Chaque année, tout récemment, il y a eu euh, les chiffres qui ont été publiés. C'est plus de 2 milliards qui ont été faits comme euh, recettes. Mais cela montre en réalité la dépendance de notre économie de, du, marché, du marché international. voyez ouais. Donc, et là, les, notre économie, on ne pollue pas suffisamment. Donc, ça crée une sorte d'extraversion. Mais cette extraversion devient appauvrissante pour nos économies. Parce que ni le secteur de l'agriculture, ni le secteur de l'élevage, ni le secteur de l'industrie ne profitent vraiment. Aujourd'hui, au Sénégal, nous avons une société de consommation. Aujourd'hui, tous les Sénégalais consomment. Mais ce que nous consommons, le plus souvent, ça nous provient de l'étranger. C'est parce que quelque part, on n'a pas mis en place des mécanismes pour... Euh, disons, faire éclore le génie des Sénégalais en termes d'inventivité. Donc, tant que cela manque, ça crée également une situation d'appauvrissement de nos sociétés, une dépendance de l'étranger. L'autre phénomène, le euh, troisième aspect, donc à part, euh, disons, la gouvernance qu'il faut réformer, euh, l'économie qu'il faut consolider, et je pense qu'en fait, il y a aussi un autre secteur qui est important, c'est le secteur de l'emploi. En fait, il faut libérer le génie des, des, des jeunes Sénégalais. En quoi faisant en créant les conditions de l'employabilité des jeunes. Il faut que les jeunes entreprennent, qu'on leur inclut des valeurs ou bien d en fait un certain dynamisme qui leur permet vraiment de, de prendre des initiatives. Parce qu'un État ne peut pas fonctionner sous le modèle de l'État maximal. L'État-providence, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, ce qu'il convient de faire, c'est que l'État doit donc revoir les formations qui sont proposées pour que les jeunes puissent comprendre en réalité qu'ils ont en main leur, leur destin. Et qu'ils doivent entreprendre. Tout le monde ne peut pas être dans les, dans les bureaux, tout le monde ne peut pas être dans une fonction publique. Hein. Il faut donc euh, créer les conditions d'une employabilité des jeunes, que les jeunes entreprennent. Quand vous voyez aujourd'hui au Sénégal, surtout ici au sud, là où on est en Casamance, on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui entreprennent, n'est-ce pas C'est les femmes qui tiennent les foyers, mais elles ne sont pas suffisamment encadrées. Donc, il se pose un problème d'adaptabilité de, 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 ou d'adéquation de la formation avec les aspirations de, de la jeunesse, mais aussi, il se pose un problème d'encadrement parce qu'il faut encadrer la jeunesse, il faut encadrer les femmes. Donc ça, c'est le troisième élément. Il y a un quatrième élément qui doit aussi, à mon avis, intervenir. C'est surtout par rapport, disons, à nos relations avec les États de la sous-région. Depuis un moment, en fait, il y a un semblant de discrédit qui semble s'abattre sur le Sénégal parce qu'on considère qu'on est plus proche, n'est-ce pas, des Occidentaux et qu'on fait le jeu de ces puissances-là. Et on voit qu'il y a une ceinture, euh, disons, de, de, de pays qui est là, qui sont marqués par une certaine insécurité. Maintenant, il faut en réalité, je pense, stabiliser nos relations, consolider nos relations avec les États voisins, sans pour autant couper le lien avec les puissances occidentales. Le Sénégal a toujours usé de la diplomatie, d'une diplomatie d'abord culturelle, mais une diplomatie politique qui a permis à ce pays-là d'être, disons, le, le, la croix de transmission. Entre l'Occident, le monde arabe et les autres pays de, de l'Afrique. Donc, ce rôle diplomatique que le Sénégal a joué, qui lui a permis d'avoir de ces, de, ces, de ces hommes à la tête de certaines institutions, instances internationales, je pense que c'est également quelque chose à consolider parce que ça a beaucoup apporté au Sénégal du temps du président Senghor, du temps du président Abdou euh, aussi bien que, que du temps d'Ablaïwat de, 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 de et même de, de Maki. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut consolider, qu'il faut repenser et puis euh, voilà, mettre des, des, des personnes vraiment d'expertise à la tête de ces organisations qui permettent de planter le Sénégal. On reviendra là aussi à la question de la gouvernance. Là, on parle, de, je parle d'abord le secteur de l'université, on parle d'abord de la gouvernance universitaire. Jusqu'à une période récente, les recteurs qui a été nommé euh, à tête des universités. C'est juste nommé par euh, le chef de l'État, n'est-ce pas Mais il y a des textes, il y a, il, y a, il y a de nouveaux textes qui ont été élaborés qui permettent aux enseignants eux-mêmes de choisir euh, ceux qui vont les, les administrer, les, les lecteurs qui peuvent diriger les universités. Mais ces textes-là ne sont pas encore en vigueur dans toutes les universités sénégalaises. Donc ça montre également que, quelque part, ceux qui sont à tête de ces universités, même s'ils peuvent comprendre les priorités qui se posent à l'institution, mais ils sont à la limite des clients du, de, du pouvoir. Donc, ils se soumettent à la logique du pouvoir. Or, l'université est par essence une institution qui est indépendante et qui doit œuvrer, disons, qui doit être au service de la, de la société. Mais pour qu'elle soit au service de la société, il faut que ceux qui dirigent ils aient les coups de pour prendre des décisions qui entrent en droite ligne avec les intérêts de, de l'institution. Ça, c'est un premier aspect. Mais il faut également, je pense, à tous les niveaux de l'enseignement euh, primaire comme secondaire, universitaire, mettre l'accent sur le mérite, le mérite des enseignants. Tout système éducatif est sélectif. Euh, les institutions internationales ont euh, forcé le Sénégal et beaucoup de pays d'Afrique à aller vers, euh, disons, euh, un système éducatif qui est aujourd'hui presque libéral. L'enseignement privé a pris de l'élan, a pris beaucoup d'ampleur. Ensuite, l'enseignement est devenu presque ne plus sélectif, du moins pour le primaire. On voit que le niveau des élèves a baissé, tout simplement parce que le niveau aussi des enseignants a, a baissé. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont dans le corps, mais qui n'ont pas la vocation, qui y sont malgré eux, parce qu'ils cherchent tous juste un tremplin pour aller vers autre chose. Ouais, donc, ça, c'est un problème qui est, qui est là, qui, à mon avis, doit amener les, les gouvernants à réformer le système. Euh, éducatif. Il y a eu des états généraux, de soit dans les années 70, mais il faut, revoir, euh, il faut réformer également le système éducatif parce que c'est ce qui a fait la force de ce pays-là. Hein? Non, non, L'élite sénégalaise qui a brillé à travers le monde, mais c'est surtout à travers l'éducation. Hein? Donc, cette éducation-là qu'il faut consolider. Avant, euh, nous, quand nous, nous étions au collège, on remarquait que ceux qui avaient échoué au public, ce sont eux qui se retrouvaient dans le privé. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Ceux qui ont les moyens, ils plus envoyer, ils veulent plus envoyer les enfants dans l'enseignement le public. Ils les envoient dans les écoles privées. Donc, vous voyez, la situation a été inversée par tout simplement. Les politiques éducatives euh, ne répondent pas de façon, de façon adéquate aux, aux préoccupations des, des populations. Toutes les formations politiques ont cherché à avoir des relais dans le monde universitaire. Et la plupart des relais, s'ils ne sont, sont, sont pas des enseignants, chercheurs qui le manifestent officiellement. Le plus souvent, c'est des mouvements d'étudiants, n'est-ce pas, qui cherchent également à int euh, intégrer l'élite politique de ce pays. Donc, ce qui se passe, c'est quoi C'est que l'université est prise en otage. L'université est instrumentalisée par les partis d'opposition comme par le pouvoir, soit pour conserver le pouvoir qui est déjà conquis, soit pour conquérir le pouvoir. Parce que, en fait, il y a deux logiques qui sont affrontées au sein, qui s'affrontent toujours au sein des universités. Vous avez le pouvoir qui cherche à, con à, à conserver. Donc, euh, euh, à, 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 à se conserver. Et là, ils, ils vont donner des, des ressources à des étudiants qui vont essayer d'avoir avec eux. Et il y a l'opposition, comme le PDS l'a fait, qui va chercher à mobiliser d'autres étudiants pour un tout petit peu être les porte-voix de, 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 de l'opposition au sein de, de l'université. Et là, ça crée des frictions ça transpose les problèmes politiques sur sur le chiquier, de nos politiques au sein de l'université. Donc il y a une instrumentalisation de l'université qui n'est qui qui pas bonne, n'est-ce pas, qui est, qui est nuisible, hein alors que l'université est censée être indépendante. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut changer. Je pense qu'il faut dépolitiser euh, le milieu universitaire. Hein Et ça va au-delà. À l'université, quand vous arrivez aujourd'hui, nous, quand on était à on a été marqué par le phénomène des chants. Vous apprenez, mais euh, à côté, vous avez des, 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 des talibés qui se mettent à, à chanter au point que qu'on ne reconnaît plus le campus social, le campus universitaire. Il y a une politisation hein, de, du campus qui n'augure rien de, de bon. Ensuite, les enseignants, je pense que les enseignants globalement, euh, ce qui caractérise le monde universitaire aujourd'hui, ils ne sont pas contrôlés. Il n'y a pas de contrôle des enseignements, il n'y a pas de contrôle des curricula, il n'y a pas d'évaluation adéquate. Et ça, c'est un autre problème. L'enseignant, il, le, il est comme un roi dans sa discipline. Il n'est pas évalué. Ouais, la, la seule instance d'évaluation, c'est le CAMES, mais ça, c'est pour échelonner en grade. Mais par rapport à la formation, il n'y a pas un cadre adéquat qui permet vraiment d'évaluer les enseignants, de voir comment les enseignements se font et de remédier à certains manquements. Donc, le contrôle des enseignants se, se limite surtout au, au secondaire. Mais au secondaire également, il y a d'autres problèmes. Euh, euh, la vocation qui n'est plus là fait que des enseignants, au lieu de dispenser, d'interagir avec les, les élèves, qu'est-ce qu'ils font ils font des, des fascicules qu'ils distribuent, les parents ne contrôlent pas, les parents aussi qui ont euh, presque abandonné le leur, leur rôle de contrôle à la maison. Donc, ça crée une situation qui n'est pas bonne pour la, la jeunesse de ce pays. Je pense qu'il faut asseoir une politique de prévention, n'est-ce pas, de prévention des problèmes, des, des, des crises n'est-ce pas, dans tous les domaines. Ensuite, il faut une bonne redistribution des, des ressources. Mais cela se fonde sur quoi D'abord, comme je l'ai dit, le secteur de l'agriculture, il est fondamental. Il est prioritaire, le secteur primaire. Quand je parle le secteur primaire, c'est à la fois l'agriculture et l'élevage. Ensuite, il y a le secteur, disons, de, de l'éducation, qu'il va falloir réformer pour le consolider. Il y a le secteur de la santé. Et là, il faut souligner qu'on met très souvent l'accent sur la santé curative. Alors qu'on devrait surtout insister sur la santé préventive, n'est-ce pas? Ensuite, euh, la sécurité, je pense qu'il faut continuer à sécuriser les frontières. N'oublions pas, euh, la drogue est déjà dans nos villes. Il y a euh, le, la, la, la menace, euh, disons, des, des, des groupes djihadistes, n'est-ce pas, qui est là, parce qu'il y a les pays voisins qui sont en crise. Juste un aspect que je pourrais souligner, c'est peut-être euh, le rôle des, des think tanks comme euh, Ouachi. Vous savez, euh, l'Europe a connu des, des moments de ténèbres, des moments, disons, de, 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 de difficultés, de crises. Hein? Et finalement, ce qui a aidé l'Europe, l'Occident, à être euh, dans une dynamique de progrès, c'est qu'il y a eu des, un cadre de production d'un savoir, n'est-ce pas, un savoir, et plus tard, un savoir-faire. Un pays ne se construit qu'à travers le savoir et le savoir-faire. Et je pense que, bon, ce que Wachi fait, c'est quelque chose de, de, de très bien, mais qu'il faut encourager que l'élite n'est-ce pas, de ces pays-là, élaborent des idées de progrès qui seront mises en œuvre par les, les, les politiques. Donc, il faut une synergie entre les intellectuels et les politiques, parce que de là euh, pourront émaner, disons, des, euh, disons, des, des politiques beaucoup plus euh, au service de la, de la population.